Néant. Et lui-même est devenu néant. Amen. Cherchez la vie. Dites à quelqu'un, cherchez la vie. Et la vie n'est pas loin de toi. Il a dit, non, ce n'est pas. Qui montera vers nous au ciel? Ou qui ira de l'autre côté pour le chercher? Cette parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole de la foi. Amen. Alléluia. Deuxième témoignage, le témoignage des apôtres. De la vie. 1 Jean, chapitre 1, verset 1er. Ce qui était au commencement. Amen. Cette vie. Ce qui était au commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu. Ce que nos yeux. Ce que nous avons contemplé. 1 Jean chapitre 1, verset 1er. Ok? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? C'est ça, non? Ok. Ce que nous avons vu de nos yeux. Et ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant quoi? La parole de vie. Verset 2, lisons ensemble. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de qui? Du Père. Et qui nous a été manifestée. Quel autre qui était auprès du Père qui nous a été manifesté? Quel autre qui était auprès du Père? C'est qui? Un ange? Qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté? C'est lui qui était auprès du Père et qui est venu en chair. C'est qui? C'est Jésus. Amen. Ce n'est pas Mormon qui dit que Jésus-Christ a échoué sa mission. Et c'est lui qui est venu l'accomplir. Alors qu'il s'est divorcé plusieurs fois. C'est un Coréen qui est exilé aux États-Unis. Non, non, ce n'est même pas tout ce que nous pouvons écouter, frères et sœurs. Ce n'est même pas tout ce qu'on peut parler de la religion des Noirs en Afrique. Ce n'est même pas ça. Il y en a combien d'intellectuels qui sont là? Pourquoi? Parce qu'ils refusent obstinément. Ils refusent de croire à cette vie. Même les Juifs. J'ai des amis qui sont là et qui me disent, vous savez Israël, vous priez Jésus parce que vous ne savez. C'était un révolutionnaire seulement. Vous voyez comment était sa mort. Et je le regardais tout droit aux yeux et mes larmes commençaient à couler. Il me dit, mais pourquoi tu pleures? Je t'ai dit des choses vraies. Je dis, tu ne me dis pas des choses vraies. C'est moi qui vais te dire des choses qui sont vraies. Et qui sont dans les Torah que vous ne connaissez pas. Ouvrez avec moi Deutéronome. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, je lui ai dit seulement, nous allons dire, prenez votre Torah. Les 5 livres de Moïse, vous avez Deutéronome aussi. Vous lisez ça, non? C'est que les apôtres ont prêché. Vous savez que les apôtres n'ont pas prêché le Nouveau Testament que nous prêchons. Ils ont prêché l'Ancien Testament. J'ai pris ça et j'ai commencé à ouvrir. Je lui ai montré qu'est-ce qu'il a dit. Maudit est quiconque pendu au bois. Si quelqu'un a fait ceci, s'il est maudit au bois, il est une source de malédiction. Est-ce que lui n'avait pas obéi à la loi de Dieu? Il avait désobéi à la loi de qui? Des hommes ou de Dieu? Non, non, parce qu'il était révolutionnaire contre les Romains. Il a dit que Dieu et César, qui est le plus grand? Il a obéi à Dieu pour vous. Lisez-moi avec moi encore. Ésaïe 53. Ces derniers mois ici, dans la Pâque des Juifs, qui a coïncidé avec la fête de Pourim, la fête d'Esther, cette Pâque a coïncidé que pour la première fois en Israël, dans tout Israël, qu'on lise Ésaïe 53 pour reconnaître que le Messie, c'est celui que Dieu avait crucifié. Amen. 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 Pourquoi Dieu a fait ça? Je lui ai montré, j'ai dit, mais qui est celui-ci? Que vous lisez continuellement. Non, non, je n'ai jamais lu ce texte. J'ai dit, regarde comment Dieu vous a aveuglé pour que moi je sois sauvé. Amen.
Mais je suis reconnaissant de vous parce que vous êtes l'olivier naturel. Que le Seigneur vous bénisse de votre incrédulité. Amen. Amen. Celui qui a le Fils a le témoignage de Dieu. Cette vie qui a été manifestée, ce n'est pas une religion. Catholique, protestante, pentecôtiste, ce n'est pas une religion. C'est la vie Jésus. Amen. Qui est la vie, c'est Jésus. Et vous ne pouvez pas, frères et sœurs, avoir une vie effective sans celui qui est effectivité. C'est Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner une bonne acclamation? C'est pourquoi le témoin de Dieu, comme la Bible nous dit, on ne peut pas statuer un cas, au moins sous la déposition de combien de témoins? De deux ou de trois témoins? Le troisième témoin, c'est notre propre témoignage à nous. Il était dit que celui qui croit au Fils a en lui-même ses témoignages. Parce que vous croyez au Fils. Le verset 11e. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Il est dit, le verset 10e, celui qui ne croit pas en Dieu, c'est le verset 10e, la partie, ok. Celui qui croit au Fils de Dieu, la partie A, le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en qui? En lui-même. Regardez votre frère droit aux yeux. Est-ce que vous avez le témoignage que vous avez le Fils de Dieu en vous? Parlez-lui. Vous avez le témoignage? Mais vous allez me dire, mais pasteur, on dirait vous doutez de notre foi. Moi, je ne doute pas de notre foi. Parce que c'est un tournant. Nous nous rappelons seulement des choses que nous connaissons. Mais des fois, lorsque la connaissance ne touche pas une autre dimension qu'on appelle la réflexion. Et lorsque la réflexion ne touche pas une autre dimension qu'on appelle la sagesse, la connaissance n'est rien du tout. Comment? 5. J'ai dit chapitre 5, verset 10. J'ai dit 5, 10. C'est pourquoi l'évangile doit être prêché, frères et sœurs, comme vous êtes là, vous qui avez la vie, qui croit qu'il a la vie ce soir, que nous nous sommes rappelés seulement, qui croit qu'il a la vie, voilà la responsabilité que vous avez, la responsabilité que nous avons. C'est pourquoi l'évangile doit être prêché à tous les peuples et à toutes les nations. Vous qui avez la vie, vous devez faire d'abord quoi? Parler aux autres de cette vie-là. Parce que si vous ne le faites pas, vous devenez complice. Si vous voulez avoir la vie pour soi-même, lui n'a pas eu cette vie pour lui-même. Il s'est donné pour nous et nous devons nous donner. La Bible nous dit que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres, pour son frère, pour son ami. Lui a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner la vie aux autres. Les témoignages qu'il a rendus en lui-même, il a dit, c'est pourquoi l'évangile doit être prêché à tous les peuples, toutes les nations, parce que la vie éternelle est dans le Fils de Dieu et on peut être, et ça peut être obtenu et reçu par aucun autre moyen sinon le moyen de l'annonce de l'évangile. Nous ferons participer aux Congolais, aux nations, les promesses de Dieu que vous allez vous réclamer. Éphésiens chapitre 3. Quand nous venons dans le tournant, nous allons demander
les promesses de Dieu, que Dieu s'accomplisse, n'est-ce pas? Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre travail, que les promesses de Dieu s'accomplissent, se réalisent dans notre mariage, que les promesses de Dieu se réalisent dans notre vie sociale, que les promesses de Dieu se réalisent, se réalisent, se réalisent. Par quel moyen? Éphésiens chapitre 3, le verset 5e. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ, ces mystères. Verset 6e, lisez avec moi. Ces mystères, c'est que les païens sont qui? Cohéritiers, forment un même et participent à la même promesse en qui? Par quel moyen? Par l'Évangile. C'est-à-dire, nous allons faire participer. Ce n'est pas que vous allez déclarer vous-même en déclarant par la bouche. Je suis la tête, non la queue. Et continuellement, ta vie est la queue. Ce n'est pas différent au slogan que nous avons entendu dans les partis politiques. Ce n'est pas différent. Toute arme forgée contre nous seront sans effet. Et on voit les effets dans la vie. À quoi bon? Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Mais lorsqu'il y a la guerre, toi, tu es victime. À quoi bon? Faisons participer aux autres. Nous voulons que nos cultes, même pas le nombre de cultes, et nous voulons qu'un grand nombre soit sauvé. Ici à Goma et partout où nous serons. Parle à quelqu'un. Faites participer aux autres par cette vie, par l'Évangile et par notre propre vie. Votre témoignage va parler parce que vous avez la vie. Votre témoignage parlera plus que vos paroles. Et les autres verront votre vie. Et ils seront changés. Amen. 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 Alléluia. Jésus-Christ lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et qui ? Et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. » C'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie. C'est lui, Jésus. Parce que Dieu lui-même a voulu, comme nous avons partagé, rendre témoignage. Jean chapitre 5. Vous avez vu que notre église, c'est une école, hein, c'est une université de la parole. Ce n'est pas seulement nos frères qui vont aller en mission, qui vont être reconnus seulement, mais vous tous là, ceux-là qui seront reconnus et ceux-là qui vont terminer cette promotion, ils étaient comme vous, I think. Ce jeune homme qui est là, avant même son mariage, nous venons ici, mais regarde. Quand il parlait ici, j'ai dit, waouh, waouh, quelle profondeur. Amen. Jean chapitre 5, le verset 21 à 25, à 27. Jean chapitre 5, verset 21. Comme le Père ressuscite quoi? Les morts. Et donne quoi? Donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement à qui? Afin que tous ceux qui honorent le Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent qui? Et celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il passe de quoi? De la mort à la vie. Wow. Il passe de quoi? De la mort à la vie. Fais avec moi comme ça. Il passe de quoi? De la mort à la vie. C'est que malgré vous êtes vivant, mais vous n'avez pas la vie, vous êtes mort. Amen.
Celui qui est dans votre quartier est mort. Votre patron est mort. Celui qui est votre boss est mort. Que vous pensez qu'il vit parce qu'il est boss, il vous donne des ordres. Mais c'est un cadavre qui vous donne des ordres. Amen. Et d'ailleurs, vous avez peur. Moi, cette histoire de dire, non, ici dans notre bureau, il y a des occultes, il y a des quoi que ce soit. Qui est l'occultisme? Parce qu'il y a les autres qui ont des fétiches. Qu'est-ce que c'est fétiche par rapport à la vie que vous avez? Amen. C'est pourquoi le Christ a dit, ne crains point celui qui tue le corps. Et après avoir tué le corps, il ne saura rien faire. Mais craignez plutôt celui qui a la capacité de tuer le corps et l'âme et le jeter où? Dans la Guéhenne. Aujourd'hui, nous avons la phobie des hommes. Pourquoi ils tuent le corps? Ils peuvent tuer par les armes, ils peuvent tuer par les armes blanches, ils peuvent tuer par n'importe quel moyen d'autre, par des poisons ou autre. Mais jamais, ils ne peuvent tuer la vie qui est en vous. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ils ne peuvent jamais tuer la vie qui est en vous. Jamais ils ne tueront jamais la vie qui est en vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Même là-bas, balancez votre main si vous m'écoutez, là où nous sommes. Balancez. Et dites à quelqu'un, vous allez faire un mauvais travail en me tuant. Dites à quelqu'un. Vous pensez que vous allez me perdre moi ici sur terre? Si Dieu permet que je sois perdu ici sur terre, mais moi je vis de l'autre côté. Amen. Et toi, tu vivras où? Un jour, nous étions chez nous à l'Arche. Vous savez que bon, cette concession était une concession qui était pour, pas une concession, mais c'était un lotissement qu'on avait appelé anciens combattants. Et c'est, si on dit lotissement anciens combattants, c'est que c'est pour les anciens combattants, les civils ne peuvent pas prendre là-bas. Non, c'était un nom qu'on a donné au lotissement. Un jour, comme nous avons occupé, ils sont venus, tous ces anciens. Non, c'est notre lotissement. Pourquoi vous, Église, vous avez pris? J'ai dit, mais est-ce que moi, je suis un agent de cadastre? Je ne suis même pas conservateur. Je ne suis même pas ministre des Affaires foncières. On nous a donné ces lopés de terre parce qu'on a fait la demande de terre. Et nous avons nos titres. Et finalement, celui qui était les responsables est venu. C'est vous le pasteur? Je n'avais même pas le poids que j'ai maintenant. Si vous regardez mes photos, mais j'avais celui qui est la vie. Amen. Mais il est venu, il me pose la question. C'est vous le pasteur? Je dis non, si vous avez quelque chose à dire au pasteur, dis-moi, je vais lui informer. Je lui ai dit, bon, quand le pasteur sera là, informe-lui que ce lotissement, c'est pour les anciens combattants. Je lui ai dit, non, s'il vous plaît, est-ce que lorsqu'on dit lotissement anciens combattants, c'est pour les anciens combattants? Il a dit, mais toi, tu as dit que tu n'es pas pasteur. Mais pourquoi tu réponds à la place des pasteurs? J'ai dit, non, j'aimerais seulement demander parce que, pour que quand le pasteur, je lui donne des précisions. Et celui qui était là à côté de lui, il a dit, si tu fais ça, tu réponds à qui comme ça? J'ai dit, mais je ne sais pas à qui je réponds, mais c'est avec tout le respect que je lui réponds. Sinon, je vais te fracasser la tête. Il fait sortir ça. Tu peux me fracasser la tête? Ce n'est pas mal de me fracasser la tête. Mais moi, je vais tomber tout à l'heure là. Ce corps va mourir. Mais toi, si moi je tombe là, je me réveille de l'autre côté. Et toi? Et toi? Et celui qui était là, il me dit, ah, je crois que c'est toi qui est pasteur. Je dis, Amen. Alléluia. Amen. Vous passez de la mort à la vie lorsque vous croyez au Fils de Dieu. C'est pourquoi le Christ disait, celui qui croit en moi, bien même qu'il serait mort, il fera quoi? Il vivra. C'est pourquoi nous ne plairons pas les morts comme les autres.
nous célébrons. Nous disons merci Seigneur, quel repos céleste que tu donnes à notre frère. Quel repos que tu vas donner à ses bien-aimés. Si vous avez cru, amen. Ayez la vie en vous. Vous allez servir avec ces vies-là. Même quand vous serez un homme d'affaires, dans vos affaires, dans votre profession, dans vos études, partout où vous serez, parce que vous avez la vie, et comme il y a la vie en vous, partout où il y a la vie, il y aura vie. Jamais l'entreprise que vous travaillez ne tombera pas, ni la banque, ni l'entreprise ne tombera pas en fuite parce que vous êtes là. En faillite parce que vous êtes là. Le jour que vous quitterez, ça va tomber en faillite après vous. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Et tout ce que vous allez commencer comme travail, petit soit-il, la Bible nous dit qu'un petit, le plus petit sera une nation puissante. Le faible, le plus petit sera une nation puissante parce que vous allez influencer. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, il a dit, pasteur, j'ai appris que vous êtes à Goma. Oui, j'ai dit, je suis à Goma. Vous êtes venu à l'âge? J'ai dit, je suis venu à l'âge. Il a dit, oui, pasteur, c'est qu'il y a un grand travail qui se fait là-bas, mais attendez-vous à tout. Hein. J'ai dit, on s'attend à tout parce que Jésus lui-même. Nous attendons à quoi? Nous prêchons l'évangile. Attendez-vous à tout veut dire quoi? Amen. Vous savez que lorsque vous commencez à devenir influent dans votre milieu, parce que vous avez la vie, cette vie commence à écraser la terre, parce qu'on peut même vous enterrer là, vous mettre des carreaux, parce qu'il y a la vie. Revenez ici dans 10 ans, dans 5 ans même, il n'y aura pas de carreaux. Il y aura des arbres. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. Ayez cette vie-là en vous, et cette vie, c'est Jésus. Alléluia. Et tout ce que vous allez entreprendre, il y aura la vie. Amen. 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 Il a dit dans Jean 5, 37, 39 à 40, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles quoi? La vie. Jean 5, 39, vous sondez les Écritures. Combien cette Écriture a été torpillée? Combien ce message a été torpillé dans la chair, comme dans les rues, comme dans les maisons. Cette parole a été torpillée parce qu'on avait des intentions personnelles, parce qu'on avait des ambitions personnelles. Combien? Combien cette parole est aujourd'hui rejetée parce que ceux qui apportent cette parole ne vivent pas cette parole. Combien? Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles quoi? La vie. Mais ces écrits parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir quoi? La vie. Trouvez dans les Écritures Jésus. Dites à quelqu'un, trouvez dans la parole Jésus. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la personne centrale, même si nous pouvons parler de tout, c'est Jésus. Amen. Même si nous pouvons parler de tout, parce que lui, il est mort. J'écoute souvent des frères. Et dans nos églises, là où nous sommes nés, nous parlent toujours de la mort de Christ pour que lorsqu'il y a Pâques, lorsqu'il y a la naissance, nous puissions toujours penser à ces bébés qui étaient nés. Et nous venons fêter. Oui, c'est bien de nous souvenir de ce que le Seigneur a fait. Pour que nous puissions penser à la Pâque. Mais il y a les autres qui marchent, ils ne peuvent même pas écraser le chemin de la croix. Et Koufa qui est sous maman. Est-ce que c'est ça? Ce que le Christ a fait à la croix, sa naissance, sa vie, ce qu'il a fait à la croix, sa résurrection, son ascension et son retour glorieux, il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Amen. Afin que vous ayez la vie et que tout ce que Dieu avait prévu dès le commencement pour l'homme, pour que vous puissiez les appliquer ici sur terre. Amen. L'évangile de Jésus-Christ n'était pas l'évangile du salut.
C'est l'évangile du royaume. Nous avons prêché le salut. Le salut, c'est sortir d'un accident. Lorsque vous sortez d'un accident et qu'on ne vous amène pas à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? On est sauvé, mais après être sauvé, qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va suivre? Nous allons laisser ce monde aux autres? Nous allons laisser les affaires aux autres? Dernièrement ici, Tudy Jex, il avait acheté depuis plusieurs années, plus de 25 ans, une concession d'un fermier. Ce fermier-là, parce qu'au Texas, il y a la chaleur, il n'avait plus d'herbe, il n'avait plus le pâturage, et il est venu, il a proposé. Et sa femme lui a dit, non, il ne faut pas acheter ça. Et son petit garçon, il a dit à son papa, Daddy, buy it. Oh. Sa maman a dit, moi j'ai dit à papa qu'il n'achète pas toi. Le mari a dit, moi je vais écouter l'enfant. Et il a acheté une grande concession au Texas, des milliers d'hectares. Aujourd'hui où je vous parle, les découvertes ont fait qu'on a découvert que le pétrole qui se trouve dans cette concession, c'est plus que ce qui est dans l'Arabie Saoudite. Et maintenant, Tidy Jack, serviteur de Dieu, négocie avec l'État américain. Parce que c'est un État de droit. Ils ne viennent pas le prendre parce que c'est sa concession. Et vous savez qui va laisser l'héritage à qui? Aux enfants des enfants de ses enfants avant le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a eu la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Vous ici, les cassitérites et les quoi que ce soit, vous les laissez, non, qu'ils prennent. Or, tout ce que le Seigneur a placé sous ses sols, c'est pour l'annonce de l'évangile. Amen. C'est pour le royaume de Dieu. Amen. Mais ces entreprises-là, vous allez commencer. Qui sera votre bailleur de fonds? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des bailleurs de fonds ici? Est-ce qu'ici, à l'Arche, par le nombre que nous avons ici, les jours qui viennent, nous aimerions apprendre que nous allons commencer une banque d'abord là-bas et puis des extensions viendront ici. Soit vous allez commencer ici, comme les autres disaient, est-ce que quelque chose de bon peut venir d'eux? Mais quelque chose de bon peut venir à Goma pour bénir ceux qui sont là-bas, comme ça. Est-ce que vous ne croyez pas à cela? Et que l'extension d'une banque d'ici à Goma peut... Non, la banque de l'Arche Goma peut bénir Kinshasa, comme Antioche a béni Jérusalem. Qu'il en soit ainsi parce que vous avez la vie. Qu'il en soit ainsi parce que vous avez la vie. Qu'il en soit ainsi parce que vous avez la vie. Et cette vie est en Jésus-Christ, le Fils béni de Dieu. Levons-nous ensemble, nous voulons prier. Levons-nous ensemble. Posez la question à votre ami. Avez-vous la vie? Je ne vous dis pas si vous avez l'existence. Avez-vous la vie? Et cette vie, vous devez avoir un témoignage en vous. Il est dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Il faut que le Saint-Esprit rende témoignage. Aujourd'hui, l'Amérique est Amérique à cause de quoi? À cause de ces femmes, des huguenots, des quakers. Même aujourd'hui, on peut piétiner Dieu, mais Dieu, c'est un Dieu des alliances. In God we trust. C'est sur base de quoi? L'Angleterre, Dieu est mon droit. C'est leur devise. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la parole. À cause du réveil de Vance Roberts. À cause de ce qui s'est passé dans le réveil qui se sont passés. À cause de Moody. Et c'est, vous savez, des sociétés comme Chevron, comme Ford. Ce sont des sociétés chrétiennes. Givelle. Ce sont des sociétés chrétiennes.
Hong Kong a été bâti par quoi? A été construit par quoi? Ce sont des chrétiens. Si Hong Kong, et aujourd'hui vous allez dans Hong Kong, que vous voyez, le soubassement, c'est la parole de vie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, vous savez que lorsque nous avons la vie, tout ce que nous allons faire est posé sous cette vie. C'est pourquoi il a dit, il a placé dans Sion une pierre angulaire de prix. Amen. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de faire quoi? De fuir. Vous ne fuirez pas Goma. Vous ne fuirez pas le Congo. Celui qui est devant vous vivait dans un pays d'Europe. Et le Seigneur m'a dit, dans ces années-là, vous êtes venu ici, dans une grande conférence de Billy Graham. Je ne suis pas allé, mais les autres m'ont trouvé là-bas. Rentre au pays. Parce que les autres ici, ils ont construit leur nation. Les autres ici, regardent comment ils sont. Mais ils m'ont oublié, moi. Rentre dans ta nation. Rentrez dans ma nation pour aller faire quoi? Je vous dirai ça à la fin de ça. Et maintenant où je suis, lorsque je vois ce qui est en train de se faire ici à Goma, j'étais derrière là hier. Lorsque je vois ce qui est en train de se faire, lorsque je vais en Australie, ce qui est en train de se faire maintenant, à l'Arche, j'ai dit, mon Dieu, vous aviez raison, mais ce n'est encore le début. Ce n'est pas encore ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi ne regrette jamais ce que le Seigneur peut vous donner, ce que vous pouvez prendre comme décision. Vous ne savez pas des enjeux futurs de ce que vous prenez aujourd'hui comme décision. Ça peut bénir un grand nombre. Ça peut aider un grand nombre. Ne regrette jamais ce que vous faites. Levons nos mains, adorons celui qui est la vie. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Lorsque nous levons nos mains pour adorer celui qui est la vie, et que si vous trouvez que vous pouvez vous réconcilier avec lui ce soir, parce que dans tout ce que vous faites, comme la Bible nous dit, avant toute chose, faites des prières. Vous avez commencé quelque chose dont lui n'était pas le soubassement. Parce que lorsque vous commencez sans lui, lui ne viendra pas achever. Lui n'achève que ce qu'il a commencé. Si lui n'a pas commencé, il n'achèvera pas. Et si vous l'invitez, il ne viendra pas construire sur votre fondement. Il détruira votre fondement pour que lui-même puisse bâtir. Il construit sur les antiques ruines. Les ruines de votre vie d'autrefois, dans les affaires, dans le ministère, c'est lui qui va bâtir encore. Et cette élévation-là qu'il va faire, il va le faire pour qu'il y ait des générations qui viendront après vous, comme nous voyons aujourd'hui certaines personnes dans les affaires, quoi qu'ils sont morts des années, mais les affaires continuent. Les ministères continuent. Tout ce qu'ils